Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de ce qu'est un CPU, à quoi ça sert. Alors bien sûr, je vais vous montrer à quoi sert le CPU, je vais vous présenter deux CPU les plus mondialement connus, de toute façon vous verrez tout au long de cette vidéo. Bien sûr, je vais vous expliquer ce que veut dire CPU au niveau informatique. Vous allez comprendre tout ça, mais en attendant, je vous laisse tout de suite avec la présentation du sponsor officiel de la chaîne. Alors voilà le site du sponsor officiel de la chaîne. Ensuite, alors vous allez dans Spirit Mining qui se trouve en haut là, sur la barre de recherche. Vous voyez, il y aura boutique, service, conseil et service. Ensuite, à côté, vous avez Spirit Gaming. Il y a la boutique, c'est-à-dire avec tout ce qu'il vend. Après, ensuite, vous avez les PC configurés par ses soins. Alors, vous voyez, ils avaient tous les PC qui configurent en ce moment. Là, ensuite, vous avez les PC à personnaliser. C'est-à-dire que vous pourrez personnaliser votre PC. Vous pourrez choisir votre boîtier, la carte graphique, processeur, carte mère, RAM, alimentation, stockage SSD, NVMe. Ou vous voulez, si vous voulez mettre que du NVMe, ben, vous avez juste à signaler que vous voulez un NVMe en 250 Go pour le stockage et un de 1 Tera pour le stockage de jeux. Vous avez aussi les water cooling, ensuite vous avez des ventilateurs en individuel ou par lot, je ne sais pas comment il va procéder. Vous avez la licence Windows et vous avez le montage qui est compris dans le prix. Alors déjà ça c'est très bien parce que ce qu'ils proposent là c'est carrément un package que vous pouvez personnaliser à votre guise. Ensuite dans cela vous avez aussi contact, automatiquement c'est tout en bas, voilà vous avez tout ici, Spirit Mining avec son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de Siret, le menu qui est récapitulé en bas, ses réseaux sociaux, comme ça vous voyez tout ce qu'il y a à savoir sur le sponsor officiel de la chaîne. Ben moi maintenant je vous laisse avec l'intro, on se retrouve de suite après. Maintenant c'est parti. Alors bien sûr je vais vous dire déjà ce qu'est un processeur. Alors le processeur ou CPU, alors je vais vous mettre ici ce que veut dire CPU, vous allez voir de tout à l'heure. De toute façon je vais déjà vous marquer les initiales et au fur et à mesure de la vidéo je vous marquerai ce que veut dire certaines abréviations. Alors le processeur ou CPU est le cerveau de votre ordinateur, il exécute ou interprète les consignes reçues en langage binaire. Votre processeur est très utile pour le fonctionnement des programmes de l'affichage. C'est-à-dire que, automatiquement, lui, il va recevoir des messages, en parlant vraiment dans les grandes lignes, il va recevoir des messages de la part des RAM. Les RAM vont lui donner des messages. Lui, il va reprendre ces messages, il va les, on va dire, les exécuter et ensuite effacer les RAM. Comme vous avez pu voir, d'ailleurs, dans la vidéo sur les RAM, d'ailleurs, je vous la mets ici, je vous la mets ici. Vous avez, ceux qui n'ont pas été voir la vidéo, allez la voir, c'est très intéressant. Ensuite, au niveau de... Voilà, il va vous envoyer vraiment tout ce qui est information pour que vous ayez les images sur votre écran. Alors, maintenant, je vais vous expliquer ce que veut dire CPU. Ça veut dire Central Processing Unit, c'est-à-dire c'est l'unité centrale de traitement, c'est-à-dire le cerveau de votre PC. Si la carte mère en est le cœur, on va dire que le processeur en est carrément le cerveau. Alors bien sûr, ce qui est, on va dire pour le processeur, voilà, on va dire ça comme ça, c'est qu'il est vraiment soumis à divers paramètres, alors tels que la cadence, la fréquence, les caches, ainsi que la mémoire. Vous avez tout ça dans ce petit carré qui fait 5 sur 5 cm. Cette puce est composée de silicium. Comment je pourrais faire pour vous mettre du silicium? Là, on va le dire ici. On va vous mettre une petite photo de silicium ici. Et ensuite, vous mettrez la formule du silicium ici. Comme ça, vous verrez à quoi ressemble du silicium et la formule du silicium. Alors, messieurs, maintenant, nous allons parler de à quoi sert un CPU. Alors vous allez voir tout au long de la vidéo, bien sûr je vais vous mettre des petites illustrations par-ci par-là. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, bien sûr, vous allez avoir une lettre ou un petit mot qu'il va falloir mettre après au cours du temps, bout à bout pour faire une phrase. Alors, pour commencer, à quoi sert le CPU? Alors un CPU,
ou processeur pour ceux qui préfèrent, hein, bien sûr, est en réalité une puce électronique qui sert à échanger des données entre différents composants d'un dispositif électronique. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un cerveau, lui il va prendre énormément de données, il va faire des calculs pour que puisse y avoir l'affichage, des ouvertures de dossiers et ainsi de suite. Alors cette puce hein, mesure généralement moins de 5 cm de long et de large, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec une épaisseur de quelques millimètres. Alors bien sûr, Intel et AMD figurent sur les principaux fabricants de CPU sur le marché mondial, c'est-à-dire que c'est Intel et AMD qui ont les plus gros marchés de CPU ou processeurs, hein, si vous préférez. Après, chacun prendra ce qu'il veut, soit un CPU, soit un processeur. Ça peut être un AMD, d'ailleurs je vais vous mettre le processeur AMD ici et le processeur Intel ici, comme ça vous allez voir après les différences des deux. C'est-à-dire que les AMD ont les picots sur le processeur et les Intel sont directement sur la carte mère. C'est-à-dire le processeur lui sera plat, bien sûr vous aurez les connecteurs, les cœurs et les threads. Alors maintenant nous allons parler du fonctionnement du CPU. Alors comment fonctionne le CPU ? Je vais réfléchir, c'est une puce, c'est une toute petite puce, vous savez, qui a tendance à énormément chauffer. Pour cela, il va falloir la refroidir, sinon elle brûle. Alors pour ça, il y aura soit des ventirades avec des ventilateurs simples ou doubles, ça dépendra de la cadence de votre processeur ou CPU, ou des AIO appelés plus communément water cooling. Les ventirades, on va dire comme ça, vous avez des caléoducs et les ventilateurs soufflent sur ces ailettes et caléoducs pour aller ensuite aller sur la platine en cuivre qui est en contact sur le processeur pour refroidir ce processeur. Mais il ne refroidira pas aussi bien qu'un AIO qui est lui refroidi par eau, comme ça veut dire AIO. C'est comme un water cooling, c'est de l'eau qui coule dans un radiateur et qui est refroidi par 1, 2 ou 3 ventilateurs plutôt, parce que vous avez des 120, des 240, des 360, même peut-être plus que je ne connais pas, mais pour l'instant vous avez des AIO de ce format-là. Alors les CPU actuels, hein, ils peuvent atteindre entre 2 et 3 GHz, ça veut dire que 2 ou 3 GHz c'est quand même assez puissant. C'est, je crois que giga veut dire million en million, c'est-à-dire 2 à 3 millions de hertz. Voilà, peut-être je me trompe, mais si je me suis trompé, je m'en excuse fortement auprès de mon public, mais je me rattraperai autrement. Alors pour conclure hein, sur le fonctionnement du CPU ou du processeur, je vais vous expliquer vraiment dans les grandes lignes comment cela fonctionne. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur votre souris, pour vraiment ouvrir un logiciel, le processeur lui va s'activer, il va consulter le disque dur et lui demander d'analyser des données. Alors ce dernier, bien sûr, ce disque dur bien sûr va obéir, il va analyser les données, ce dernier il va renvoyer les données au processeur qui lui va les transmettre à la RAM. D'ailleurs je vous remets la vidéo ici, enfin le lien qui va à la vidéo, je vous le remets ici, puis à la carte graphique, c'est-à-dire que tout c'est, enfin on va dire plutôt le processeur, le disque dur, la RAM et la carte graphique marchent ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont unis quand le processeur lui va envoyer, il va demander les données au disque dur va les renvoyer au processeur, le processeur va demander à la RAM d'ouvrir les dossiers cache. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous allez comprendre. Une fois que les dossiers cache seront ouverts par le disque dur, enfin par le processeur, pardon. Ensuite, lui va envoyer la carte graphique pour que vous ayez les affichages sur votre écran. Alors, j'espère que cette vidéo, bien sûr, vous aura plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires, là, juste en bas, là. Je vous mets des petites flèches. Hein. Hop, 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 vous suivez des petites flèches. Vous marquez vos commentaires, ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Si vous avez des inspirations, bah, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, là, en bas. Je vous mets encore des flèches. Hop, vous me les marquez. Moi, ça me ferait un énorme plaisir de vous faire ces vidéos. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, ben n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.